welcome the officers. We have come into his house and gathered. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Répétons ensemble le quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Éternel notre Dieu, en ce sabbat 17 décembre 2022, à 14 jours de la fin de l'année 2022, nous venons en adoration devant toi, nous. T'en prie, Père, enlevez dans nous-mêmes tout ça qui n'est pas de nature à t'adorer et permet que chant nous, prière nous, soyons capables de monter vers ton trône de grâce. Et en retour, capable de jeter bénédiction sous petit trou en abondance. Que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Good morning, church. Good morning. And happy Sabbath. Happy Sabbath. While we thank God for his holy Sabbath day and all the blessings attached to it, we want to thank all of you here today for coming out to worship at Bethany SDA Church. We pray that in the midst of the worship service, the Holy Spirit will fill you with a deep connection with heaven that will help you get higher in your relationship with the creator of the universe. Amen. And when you are leaving today, you will say, "My spirit was truly, renewingly blessed. It was an enjoyable experience that you made for the first time with your God." In the name of the church leaders, I welcome you all to Bethany. Amen. Do we have any visitors today? If we have any visitors, please stand so that we may welcome you.
If we don't have any visitors, welcome all to Bethany. Amen. Amen. Now we will all sing our welcoming song, Smile. Smile, everybody smile, everybody smile, everybody smile. Smile, everybody smile, everybody smile, everybody smile. Let us greet somebody in Jesus' name. Let us tell them that we love them in Jesus' name. In Jesus' name, everybody smile. Jesus loves you. Everybody smile. Jesus loves you. Smile. Everybody smile. Everybody smile. Everybody smile. The congregation stands so that we may sing our opening song. Confier en Dieu, n'est pas côté noyé.
Today's scripture reading is found in Luke 16, verses 24 through 25. And it reads, "Then he cried and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame.'" Amen. Amen. Ta présence en ce sabbat. Le ciel visite la terre. Le ciel visite toutes les congrégations qui adorent le Seigneur en ce sabbat. Nous remercions notre Dieu, notre Père, pour ses bienfaits envers nous. Nous disons, Dieu, merci pour le privilège d'y accorder nos pécheurs que nous sommes. Nous passer 6 jours nan activité ici et là. Gen moun ki te la longue distance, gen moun ki conduit de près, gen moun ki déplacé al travail, gen ki rete la kayo. Ti moun yo te à l'école, yo rentré, nous dit béni soit l'Éternel. N'était-ce la présence de Dieu, l'ennemi nous aurait englouti tout vivant. Mais nous dit bon Dieu merci pour les enfants qui étaient loin, qui retournait et qui adore le Seigneur en ce sabbat. Nous dit pour tout team nous qui travaille pendant ce mes là qui retournait maintenant qui en vacances. Nous dit bon Dieu merci. Seigneur était environné par plusieurs autres enfants dans cafétéria, dans classe salle de classe là, de yoa. Seigneur dans environnement bon Dieu était prend soin yo. Nous dit merci Seigneur, nous même les adultes qui était au travail nous rentrer. Seigneur, il n'a jamais été une garantie sûre. Lorsque nous sortis, c'est pour nous rentrer. Il n'a jamais été une garantie sûre lorsque nous dormis pour nous lever. Mais non seulement nous lever, mais nous gagner le mouvement et l'être. Et maintenant, nous sommes faire louange pour bon Dieu, pour monde qu'on y est dans la vie nous, et pour ça qu'on fait pour nous dans la vie nous. Seigneur, bien particulièrement pendant l'année 2022, où tu es avec nous, où permettre que nous passions 7 jours dans la présence sous. Ou te prend soin nous gien là nous qui te gien douleur mais nous vivons toujours gien là nous qui te malade mais nous vivons toujours gien là nous qui te perdu travail mais nous vivons toujours gien là nous Seigneur qui te persécuté mais nous vivons toujours. Nous dit béni soit ton Seigneur grand nom. Seigneur merci parce que vous protégez l'église là, merci parce que vous protégez chaque frère et sœur le moment n'a parlé là. Pendant moment adoration, gien nan nou ki gen question k'ap bouskule li, gien nan nou ki gen problème Seigneur ki besoin ou solution, gien nan nou ki gen maladie, gen symptôme. Bon Dieu, mais nous vini quand même nan présence ou parce que nous pa gen l'autre côté pour nous aller comme les serviteurs te dit où yon nou ki l'autre côté pour nous aller Seigneur. Seigneur ou rappelez nous c'est vous-même qui créez le monde là, c'est vous-même qui menez nous à l'existence. Vous possédez nous au moins 2 fois. Vous possédez nous par création et par rédemption. Vous avez la vie ou pour nous tellement vous aimez nous. Seigneur, qui l'autre côté nous pour nous aller parce que c'est vous-même qui le chemin, c'est vous-même qui la vérité et la vie. Seigneur, dans toute difficulté, tracas, nous c'est bon côté pour nous rester. Parce que l'on parle, même la mer rouge, pas capable de camper. L'on parlait, les murailles de Jéricho tombaient. L'on parlait, Seigneur, les montagnes tremblaient.
L'homme a offert une guérison, mon Dieu. Il n'y a personne qui est capable d'empêcher. Oh, matin, une fois de plus. Nous venons, Seigneur, avec Jean Nouyea. C'est vous-même qui dit, venez et plaidons. Nous sommes chargés de péché. Et nous venons à tes pieds. Comme Marie, te fait venir dans tes pieds. Pécheresse comme elle seule. Mais tu reconnais la petitesse d'esprit, tu reconnais la faiblesse, tu viens chita dans pied. Oh, tu pardonné, Seigneur, tu te dit à mort, elle a choisi la bonne part. Maintenant, dans sa ça, nous choisissons la bonne part de nous trouver à tes pieds comme pécheurs. Seigneur, tu es capable d'utiliser les anges. Mais puisque nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, parce qu'on voulait toujours sauver l'image ou dans nous, bien que le péché altère lui. Mais Seigneur, où on travaille encore pour capable restaurer nous. Seigneur, merci parce que nous vivons dans le monde, mais nous voulons nous écarter des idées philosophiques du monde. Seigneur, nous sommes pécheurs, certes, nous reconnaissons ça, mais nous gagnons seul monde. Nous sommes capables de venir lorsque nous péchons. C'est Jésus. Parce que son sang a été versé pour le pardon de nos péchés sur la croix. Seigneur, lorsque nous péchons, il n'y a aucun sacrifice que nous sommes capables de faire pour pécher ça effacer, si ce n'est que vine côté ou capable de laver nous. Seigneur, ce matin, l'église de Béthanie devant ta face. Seigneur, le monde qui la caille, qui contrarie, qui n'est pas capable de venir, nous lever au devant. Seigneur, les monde qui suivent avec nous sur les réseaux sociaux, nous relever au devant. Nous lever le pays d'Haïti devant. Nous lever les dirigeants, les chefs de bande, de gang, les bandits. Seigneur, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, nos condisciples, nos co-workers. Seigneur, nous tous nous la présence souvent ce sabbat. À nous tous, la confusion de face. Pas qu'on juste sous la terre. Et comme il y a même un homme serait juste, Paolo dit, il péchait sept fois le jour. Seigneur, nous venons humilier nous encore matin ce sabbat. Passez visiter Béthanie. Passez visiter les personnes qui sont malades. Gagnez là nous qui là, mais qui pendant ce moment t'es grippé. Seigneur, mais vous faites effort. Gagnez là nous qui pas capable de venir, qui rete la caille. Mais nous dit merci Seigneur parce que nous vivons. Mon Dieu, nous bénissons, nous exaltons. Seigneur, les visiteurs qui quittent occupation yo. Ou qui choisit vivre adorer avec nous, Seigneur. Nous demandons au bon Dieu, si nous trouvons grâce dans les yeux, on va accorder une bénédiction toute spéciale. Une bénédiction que vous pouvez jamais jouer dans la vie. Et ça va marquer que le Dieu que Béthanie sert, c'est le Dieu de vérité, le Dieu qui pardonne et qui délivre. Seigneur, nous sommes venus également pour nous adorer, pour nous louer, non? Nous louons, non, nous lisons parole, nous demandons pardon pour nos péchés. Mais nous venons pour nous tendre également. Ça, ou pour provision que vous faites pour nous à travers ton serviteur. Frère, il est Joachim. Nous demandons, bon Dieu, on va humilier lui, former lui, brûler l'angni à l'instar des Aïe, afin que ça le dit, au capable sujet à glorifier, non, et à édifier ton peuple. Seigneur, restez avec nous. Bénis les jeunes qui adorent avec nous. Seigneur, bénis les adultes. Seigneur, bénis-nous toutes. Guéris-nous de maladies, nous. Protégez-nous pendant la fin d'année. Nous savons du reste, Seigneur, comme haïtiens, la fin d'année de décembre, c'est le moment où l'ennemi sortit de Yoa pour être capable d'attaquer, pour faire sacrifice. Seigneur, cachez-nous en bas zèle. Parce que chantez-nous, confiez-nous là nous-mêmes, n'importe côté nous y est. Peu importe la situation qui vient, bon Dieu. Nous confions nous là-haut. Fais grâce. Bénis moment d'adoration pour nous. Bénis journée sabbat pour nous. Restez avec nous. Restez dans nous-mêmes. Et ainsi, bon Dieu, nous sommes capables toujours rapprocher nous de nous-mêmes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, magnifié. Seigneur, s'il y a quelque chose que nous devrions demander, nous ne l'avons pas fait. Ajoutez-le pour nous. Et s'il y a quelque chose de trop ou d'ennuyant dans cette prière, retirez-le afin que cette prière capable de monter jusque devant le trône du Père et retournez sur ton église, sur ton peuple, sur le monde en rosée de grâce et de bénédiction. Que ton nom soit béni. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous prions. Amen. Amen. Amen.
nous avançons avec le programme. C'est moment pour service de fidélité. En ce présent moment, nous invitons les diacres capables de rejoindre nous. L'année 1890, 12 000 dollars étaient en pile, beaucoup plus que ça, 12 000 dollars vaut pour Kounye. Et là, ça a été gagné beaucoup moins Adventiste du septième jour que journée aujourd'hui. Les enfants, à cette époque, en 1890, les enfants qui n'étaient pas capables de comprendre la valeur de l'argent et immense difficulté pour recueillir autant d'argent, ils mettaient au travail pour être capables d'élever la tête. Comme ça, les jeunes, ils ont gagné l'argent pendant qu'ils ont fait des courses, ils ont travaillé dans le jardin, ils ont coupé fleurs pour les gens, ils ont coupé pommes de terre qui étaient directement dans la plante, et puis ils ont fabriqué et vendu. N'importe ça, ils ont pour être capable de joindre l'argent. Et comme ils ont porté ça, ils ont ramassé dans l'école sabbat, ils ont vraiment, si jeunes, ils ont vraiment une source d'inspiration pour l'autre monde. Quand grand moun yo te wè ti moun yo tellement encouragé l'autre ti moun, grand moun yo tout yo te commencé à croire que bon Dieu, avec bon Dieu, tout bagay possible. Et comme ça, yo te participé dans la collecte de fonds. Et bientôt, genye yon bateau qui te construit dans le chantier et dans la zone Vallejo en Californie. Yo te genye gen un rare navire de mission qui te voyage vers des contrées lointaines avec de nouvelles que Jésus a venu bientôt. Amis, frères, sœurs, gen un grand monde ici-bas et gen pile l'autre monde qui t'a besoin tant de parler de Jésus. Nous pral pratiquer jodia une foi enfantine, une foi timoun, pendant que nous abaille avec enthousiasme, même gens si nous te baille avec enthousiasme, yo te chaud au moment yo fait façon quand même, yo pas qu'à joindre 12 000 dollars, mais le peu que yo ka faire, yo couper fleurs, yo couper pommes de terre, yo fait des courses, yo prend et valise moun yo porter pour capable contribuer journée jodi a. Yo invite nous moi même avec vous pour capable baille avec enthousiasme le plus que nous capable baille. Et comme ça et auteur a servi fini pour nous dire une prière pour nous dire papa nous qui dans ciel là jodi a moi remercier pour privilège ou ben moi pour parce que me capable travailler pour vous-même et pour me atteindre l'autre monde là avec espoir. Veuille donc faire de nous des donneurs enthousiastes. Souhaitez que le Seigneur capable encourager nous et faire de nous moun k'ap bay avec enthousiasme ou pas bay parce que yo force ou bay mais ou bay parce que ou vle bay et ou bay li avec tout cœur. Moi même avec Diakyo, nous pa mettre nous à genoux. Pendant que n'a mandé tout moun ki pote ki pote dîme nan enveloppe et Diakyo passe enveloppe là si ou pa pote enveloppe là ou vle bay li online ou capable aller également nan Houston Bethany SDA Church nan Adventist Giving et pou ap clique nan menu an la ba ou online giving et pou ap suivre photo a et pou ap remet dim et puis toute l'autre contribution et ko capable bay toute l'autre offrande ko capable bay ou bay li pour que l'église bon Dieu a avancé de là-bas. Et si vous pas veut faire toute transaction ça ou mettre sous cash app sous téléphone ou aller dans 713 247 92 90 trésorier a joindre nous prend nous capable faire zèle tout si pas cash app ou gagner c'est zèle ou gagner li bienvenue. Et si ou pas ou même qui online et qui t'a préféré écrire un chèque et puis ou mail li ban nous dans 1212 Carlsbad Suite Houston Texas 77085 et là n'a capable joindre et recevoir pour que le bon Dieu a capable continuer avancer de l'avant. Nous pas mettre à genoux et nous prier bon Dieu pour nous dire merci parce que l'été permet que nous travaillons pendant ce maintenant et nous à retourner à lui-même version que lui réclamer de nous-mêmes là. Notre Père et notre Dieu, nous remercions encore une fois de plus pour la semaine
qui a été bonne pour nous. Il y a des gens qui, et c'est chaque semaine, ils ont touché. Il y a des gens, c'est chaque deux semaines. Mais si vous avez une bonne opportunité pour nous recevoir ce maintenant, nous avons remettre, nous avons porté l'offrande, nous avons remettre remettre dîme pour que l'œuvre soit capable d'avancer de l'avant. Nous demandons au bon Dieu, ou à pardonner les péchés nous d'abord et accepter l'homme nous afin que nous même soyons capables d'utiliser les gens qui sont placés pour utiliser les gens. Il va utiliser lui à bon escient et comme ça l'autre monde qui pas connait capable river connait et le ça yo tout yo va venir espérance de vie éternelle que nous même nous a cherché. Aidez-nous Seigneur pour capable d'être donneur enthousiaste, nous pas bail parce que nous wè moun a bail, mais nous bail parce que nous reconnaître que c'est ou même qui donateur là ou ban nous et nous ba ou en retour. Nous prier ou c'est pas parce que nous bon ni nous digne, mais avec pardon péché nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous demandé pour que nous soyons capables de rejoindre nous, pour que nous soyons capables de chanter, chanter pour Ramadim avec offrande. Apportez le dîme au trésor. Toujours mettez à confiez-vous en la promesse bénie. Apportez la dîme dans ma maison et prouvez-moi, dit le Seigneur, et je vous laisse les écluses, je laisse en des bénédictions sans mesure. Puissance de l'esprit, apportez les dîmes au trésor. Vive le bonheur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma les enfants, les young folks, pour capable de rejoindre ce Rose Cali dans le coin des enfants et avancer les jeunes. Je souhaite que sabbat prochain, il y a une possibilité pour capable et programmer tout culte là. Merci pour bon Dieu qui est avec nous, avec les jeunes, pour que nous soyons capables de continuer à adorer le Seigneur ensemble. Kishan, a gagné. Timounio, côté nous, let's come, come forward. Hi guys, are y'all happy to be here today? Okay, looks like someone is not. Okay, so today I'm going to teach you a lesson. It's called gratefulness. Does anyone know what is gratefulness? Gratefulness. Okay, let me start from here. Being good. Yes. Accepting what you have. Yes. Anyone else? What is gratefulness? Being kind. Yes.
pray. Church, I would like all of you to say amen every time they say something so we can support them, okay? Okay. So what is gratefulness? Gratefulness is when you're grateful what you have. Yes. Mm-hmm. Gratefulness is when you appreciate something. Okay. Amen. All of those are good answers. Yes, it's when you appreciate something. Okay, I have a question for you guys. Is there a time that your parents give you something you don't really like it? Have you been grateful before? Have you been grateful for that? If your parents give you a dress, but it's not what you like, are you still grateful? Be honest. It's okay. Your parents are not going to beat you. It's okay. So is there a time that your parents give you something, but you don't quite like it? Have you still been grateful to her? I think so. You think so? Okay. Okay. I'm going to do a little exercise with you guys. Are you going to pay attention with me? Okay. I'm going to give each one of you something. It's a random thing I found on my pantry, in my closet. I'm going to give it to you, right? And then I'm going to go around. I'm going to ask you what you have. You're going to tell me what you have. You're going to tell me what can you do with it. And you're going to tell me, are you grateful for it? Are you ready? Okay. My friend here is going to press around something. And then each one of you are going to tell me, what is it? You're going to tell me your name. What is it? What can you do with it, and are you grateful for it? Okay, it's just random stuff I found, just like a towel, water bottle, all those stuff. Okay, all right, we're gonna go around. I'm gonna pass around everything that I found in my closet: a deodorant, a banana, plate, bags, cereals. And then I'm gonna go around and ask you to tell me if you're grateful for it, and tell me what can you do with it. Okay. Are you paying attention to me, guys? Yes? Okay, I'm going to say eyes on me. I'm going to say 1, 2, 3. Eyes on me. Okay, let's start from here. Jane, Tracy, can you tell me what you have? And tell me, what can you do with it? And tell me if you're grateful. I have a plate. Mm-hmm. What can you do with it? You could use it to put your food. Are you grateful for it? Yeah. Why? Because if you didn't have a plate, you wouldn't put your food on anything. Amen. Okay. Can you tell me your name and what you have? I have oatmeal. Mm-hmm. What can you do with it? I can boil it. And when you boil it, what can you do afterwards? Eat it. Yeah. Are you grateful for it? Yes. Why are you grateful for it? Because I like oatmeal. Okay, so we're going to go from here. Let's go a bit fast. Can you tell me what you have and what can you do with it, and are you grateful? I have mashed potatoes. Uh-huh. And I could put water in it so I could eat it. Why are you grateful for it? So if I'm hungry, I could eat it. Amen. What do you have? I have water. And I can drink it. If you're thirsty, you can drink it, yes. And what do you have? I have a towel. What can you do with a towel? You can dry stuff with it. You can use it. Yes, you can use it to dry yourself. And what do you have? Deodorant. Deodorant? Okay, what can you do with a deodorant? I can pass on. You can use it, yes, right? Shakila, what do you have? A banana. What can you do with a banana? You look sad. Are you grateful for the banana? You're not grateful for it? Yes. What can you do with a banana? Eat it. If you're hungry, you can eat it. Okay. What do you have? Chicken noodles. Chicken noodles? What can you do with chicken noodles? Eat it. Eat it, right? If you're hungry. Are you grateful for chicken noodles? Yes. Why are you grateful for it? Amen. Amen, church. What do you have? Cinnamon Toast Crunch. Yes, you have cinnamon toast crunch. Okay, wow. What can you do with it? I can put milk in it. And then what? I can eat it. Yes. What do you have? A potato, right? What can you do with a potato? You can cook it and eat it. All right. What do you have? A mini trash can. What can you do with a mini trash can? Put mini stuff in it. Yes. What do you have, Nathan? A book. What can you do with a book?
Read it. Yes. What do you have? A tape. Yes. What can you do with a tape? Tape. Yeah. Amen. Okay. That was a really fun exercise with you guys. But do you know why I did this little exercise with you? Why? Okay. Because there's some time that we receive something, but we don't quite like it. But we still have to be grateful because there are some people that don't have it. Just like sometimes there's a clothes that your mom gave you, you don't like it, but there's people who don't have nothing to wear. Just like there's a house that you don't like, but there's people who have nothing to sleep, nowhere to sleep, all right? So everything that you have, always be grateful to God no matter what, all right? Okay, can I ask you guys for a little favor? Can you do it for me? Yes? Okay, so after church, after you're done eating, I'd like you to come, get your mom, get your dad, anyone else you are with, bring them to the church, and I'll be here waiting for you, and I'll have a surprise for you if you do that for me, okay? Can you do that for me? Yes? Okay. That's what I have for you today, guys. Don't forget to just put back everything that you have. And we'd like to pray for me to close down the story. You want to keep it? Okay, sure. We'd like to pray for me to close down the story. You want to keep it? Oh, my God. Okay. I'll keep it, too. Okay, let's pray and close it down. Can you pray for me? Thanks, God. You close it in the name of Jesus. Amen. Amen. All right. Thank you so much, guys, and I'll see you next Saturday. Yeah. If you don't want to keep it, you can just put it back in the bag. Amen, amen. Nous disons Dieu merci qui permet que nous enjoy tout comme adultes, nous enjoy ti jouet là, nous chanter, nous faire louange pour mon Dieu, nous remettre dimanche au frère nous. Donc nous apprendre avec ti moun maintenant, nous arrivons dans un moment qui est important dans culte là, c'est la prédication de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu par son serviteur ancien Hilaire Joachim. Mais juste avant, nous t'aimer également saluer, dire bonjour et bienvenue à nos amis, ce groupe qui visite nous pour la troisième fois. Nous dit bon Dieu merci et merci parce que nous choisis adorer le Seigneur avec nous. Nous pas grand, c'est vrai. Mais cependant, nous savons que moi-même avec vous, nous croyons un seul Dieu qui met ciel la terre et qui bénit tout petit. Regardless how much money you have, how educated you are, mais bon Dieu, qui couleur qu'on gagne, qui race qu'on sorti, mais bon Dieu, c'est bon Dieu, le monde entier, lorsque bon Dieu bénit, personne n'est pas capable de retirer bénédiction. Donc nous sommes un peu bénis, bon Dieu bénit, non, si ce n'est pas de présence, bon Dieu, nous ne sommes pas là encore. Nous passons des moments difficiles, mais le Seigneur est fidèle envers nous. Nous t'arrivons également à saluer notre sœur qui probablement pas venue pour la première fois, puisque elle n'est pas de camper, elle n'est pas considérée comme étant un visiteur, parce qu'elle visite nous déjà. Pas vrai? Amen, amen. Nous souhaitons bienvenue toutes les fois que, et avant d'aller, rappelez-nous coordonnées encore, et si nous pas où qu'on y a, nous qu'on vienne chercher où, et pour que vous soyez capable de retourner. Nous invitons au sabbat prochain dans le programme Classe Enfantine, Jean Welly, Enjoy, les blesses pour aujourd'hui, à la sabbat prochain, la plus belle encore. Et nous invitons le ministère des hommes, 31 décembre, pas rater ça. Ah, ou non, ça, ou après les hommes en action, et nous souhaitons adamant que la vérité est un moment mémorable pour nous-mêmes. Bon sabbat et bonne adoration avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. Et maintenant, nous permettons que Frère Hilaire soit capable de parler avec nous. Bon sabbat, bonne adoration dans le Seigneur.
Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que nous sommes contents pour nous retrouver nous ensemble dans la maison de Dieu pour nous adorer notre Seigneur et Sauveur, Jésus? Est-ce que nous sommes contents ça, hein? Est-ce que nous sommes happy, mes frères et sœurs? Parce que nous avons en pile raison pour nous contents. Hein? God is good. God is good all the time. There is no time that God is not good. God is good all the time. And if we are here this morning worshiping the Lord, it's because of his goodness. Otherwise, everything in life can topple in a fraction of a second. Boom. Tout bagay capable basculer. Mais le fait que nous ici matin, nous disons bon Dieu merci et nous contents avec nos frères et sœurs en cette fin d'année, sommes encore vivants. Et nous, moi-même personnellement, me dis bon Dieu, en pile merci. Parce que moi, j'ai un pile jeune garçon que nous t'ai levé ensemble. Youn jeune garçon me songer c'est 10000 la guerre. Il a été avec nous une fois ici pendant quelques années. Un jeune garçon, jeune policier, inspecteur à la police nationale d'Haïti, ami et camarade de classe. Et Dimi, monsieur parti, monsieur quitté nous à l'âge de 50 ans. Dimi moi, jeune garçon. Et il y a un pile en l'autre encore, jeune garçon encore qui allait. Mais si m'encore vivant ce matin, c'est pour me dire bon Dieu merci pour toute bagaille. N'était-ce pas la grâce de Dieu? Frère Axemio, ne pas d'abla. Parce que au cours de cette semaine d'ap font réflexion en 2020 le coronavirus est entré. Quand pile monde qui riche qui mouri. Je me rappelle en Italie un matin CNN dit qu'il y a 10 000 personnes qui mourent en Italie. Dans cette soirée, ça. Des personnes très riches. Alors, nous avons calculé, nous avons dit, lorsque le coronavirus a été venu, si c'est payé ou nous avons payé pour que le coronavirus ne parte à la veille, en plus de nous-mêmes qui l'a, je dis à nous, pas là. Parce que, les hommes de bral trier moun qui gen en pile l'argent qui ka payé pour bayou la vie. Alors que nous-mêmes, qui pa gen moyen suffisant pour payer, yo t'ap fait nous passer. Mais heureusement, nous servons un grand Dieu hein, qui connaît tout, qui voit tout et qui entend tout. Voilà pourquoi ce matin, moi, happy pour me dire bon Dieu merci pour tout ça le fait pour moi. Maintenant, nous avons un texte que nous jouons dans Luc 16. Dans mes techniciens au poste, pour moi, Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Nous allons aller jusqu'au verset 30, verset 19. Luc 16, verset 19. Dans Luc 16, il racontait une histoire de deux hommes riches. Le premier homme était un économe. He was an economist. He was working for somebody. But he was stealing the money for his master. We are not going to talk about that man this morning. We are going about the second guy. We found in verse 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. L'homme riche, ou gen loisir et ou gen luxury pour procurer ce qu'on a besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on est riche qui sont problème. Parce que nous avions des hommes riches qui servaient Dieu. Noé était un homme riche, pas vrai? Hein? David était un homme riche. Salomon était un homme riche. Bon Dieu n'a pas de problème avec les gens qui sont riches. Mais bon Dieu a un problème avec qui sont faits avec richesse.
Parce que tout ça que vous gagnez, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et nous allons voir la raison pour laquelle ce jeune garçon, ce jeune homme, un juif, que monsieur est tombé dans une situation inconfortable. Les affaires nous toujours dit, c'est pour nous mettre prière en réserve. Parce que quand on contrarie, on gagne, on n'a pas qu'à ouvrir la bouche pour prier. Mais puisqu'on est qu'on prie tout le temps, bon Dieu connaît toute bagaille. Et bon Dieu a venu en aide. Il a venu au secours. Dans verset 24 de Luc 16, il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. C'était un juif. Père Abraham, un juif. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Nous avons étudié ce texte au mois de novembre, les paroles contradictoires de la Bible. Nous avons étudié ce texte, nous avons détaillé ce texte. Mais j'ai trouvé intéressant ce texte, puisque il y a des leçons importantes que le texte a dégagé que nous devons apprendre, comme chrétiens. Il n'y a pas un enfer qui existe à proximité d'un paradis. Ça n'existe pas. Pas qu'on l'enfer qui est situé à une distance près d'un paradis, côté les personnes sauvées, capables de garder les gens qui ont boulé dans l'enfer. Ça n'a pas existé. Ce n'est pas ça que Jésus voulait parler nous. Ça, c'est une parabole, c'est une métaphore. Mais la leçon cachée dans ce texte, c'est ça que nous allons détailler après-midi. Passage ça, son description de l'état humain à la mort. Alors, imaginez-vous, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21, verset 4, il n'y aura pas ni pleurs, ni chagrin, ni souffrance. Et imaginez-vous, si je suis sauvé, si je suis dans le paradis, je peux regarder ma femme en enfer. Et qu'elle souffre, comment moi-même, bon Dieu, pourra dire que je vais avoir un chagrin, je vais avoir un tourment. Et comment ça se fait? Quelqu'un, un père qui a son fils qui n'est pas sauvé, hein, le lieu où il se trouve en paradis, il peut regarder son fils qui souffre cruellement en enfer. Comment papa ça a appris à le faire pas dans souffrance? Madame Gab gade Marie. Donc, ce que Dieu veut dire que, c'est que, hein, les souffrances sans fin de leurs proches perdus et même dialoguer avec eux, selon Luc 16, verset 23. Il dit que comment nous sommes capables d'endurer, comment nous sommes capables de supporter un bail comme ça? Dans un tel contexte, il serait pratiquement impossible que la promesse de Dieu de ne plus avoir de chagrin, de pleurs et de douleurs s'accomplisse. Ce ne serait pas vrai. Dans les leçons cachées que l'Éternel veut enseigner nous. Parabole l'homme riche là et de Lazare, lui présentait un contraste frappant entre un homme riche, bien habillé, et un certain mendiant, Lazare. Pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte. Cet homme n'était pas un mauvais homme, parce que il était capable de refuser pauvre Lazare pour le parler devant porte. Parce que la Bible nous enseigne que Lazare te qu'on vive à partir de ti miette qui tombait sous table grenègue ça. En quelque sorte, li te gon ça nous ta capable dit ou compassion pour ce pauvre parce que te laissé pauvre là chita ou bien couché devant porte caille.
en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu, à t'attendre de monsieur. Ce n'est pas ça, bon Dieu, à t'attendre de lui-même. Donc, la Bible dit nous que le monsieur était il sœur, monsieur était malade, selon Luc 16, verset 19 à 20. Récit ça a lancé nous premièrement. Le statut et la reconnaissance sociale dans le présent ne sont pas les critères de la récompense future. Écoutez bien. Position, connaissance, femme qu'on gagne, ça ne sont pas des critères pour nous bénéficier de récompense que bon Dieu. Deuxièmement, destinée éternelle de chaque personne, l'y décider de cette vie. Et ne peut être inversé dans l'au-delà. Attendez. Il y a une leçon que je tire. Il y a quatre leçons que je tire dans le texte. C'est que le choix que vous faites aujourd'hui, c'est lui qui va déterminer qui côté que vous pouvez passer l'éternité. Soit dans le paradis, ou bien soit en enfer. Mais, là où parle l'éternité, c'est la destruction totale. Ce n'est pas tout le monde qui a mouru. Voilà pourquoi, mon titre et message, moi, marcher tout sauvé. Diffé l'enfer intense, c'est chaud. Marcher tout sauvé, quel que soit côté position qu'on retrouve, il faut avoir une communication avec le Seigneur. C'est diffé, c'est chaud. L'homme riche a déclaré, je souffre cruellement, dit fait à chaud. C'est pour nous marcher tout seul. Nous ne pouvons pas marcher un pied gaillé, un pied dehors. Choix qu'on fait aujourd'hui, l'homme mourit ou pas capable d'inverser. En d'autres termes, ou pas capable de changer. You cannot change it. Ou sauver éternellement, ou périr éternellement. C'est deux choix ça. Il n'y a pas ce qu'on appelle un purgatoire. Hein? Côté où vous allez, comme l'Église catholique dit, vous allez piger pour nous, l'offre piger pour nous. Pas de bagaille comme ça, pièce. L'homme ou mourir, c'est deux possibilités. Soit sauver ou bien perdre. Et maintenant, mes frères et sœurs, ça en rapport avec nous-mêmes. Une première leçon, le choix que nous faisons de notre vivant ne peut être changé après la mort. Nous ne sommes pas capables de changer. Nous ne sommes pas capables. C'est destiné ou déjà scellé. Jésus t'a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare afin pour démontrer l'importance de nos choix de notre vivant. L'objectif de Jésus en histoire était de nous donner des informations sur la vie après la mort. C'est lui à qui nous choisissons de prêter notre allégeance ici sur terre, que ce soit à Christ ou à Satan, ne peut être changé après la mort. Moun que nous baillons allégeance nous pendant que nous vivons, là nous mourir, nous pas qu'à changer ça. C'est à Jésus, heureusement, nous avons la vie. Hein, la vie éternelle. Mais si c'est à Satan, on a perdu. Choix pas capable de changer. Seul moment qui pourrait pas pour changer choix, c'est matin. Seul moment qui pourrait pas pour nous changer choix, matin. Si on a une route qui pas correcte, m'a demandé pour nous quitter. Zami matin pas quitter aucun monde sous terre. Aucun monde. Marie, madame, petite, zami. Pas quitter ou gâter relation avec bon Dieu. Pas quitter aucun monde fait aucun macaque. Jésus entre dans fief juif. Jésus voulait banner une leçon. Parce que nègre te gagne une conception dans la tête. Les juifs savaient que l'âme est immortelle. Gen ou lieu, leur fin mourir. Ou pour aller, ou pour aller réparer, ou comme ils sont machine qui crase, ou mettre dans le garage, l'elle finit réparer, ou commencer à rouler encore. Ou à jouer de bon Dieu. Bon Dieu entre dans le fief, il dit, c'est pas vrai.
Pas de bagaille comme ça. Le choix est maintenant. Et si vous pas sauvé, ou perdu. Jésus est entré dans la fièvre pour lui dire, monsieur, cette tendance, mettez-le de côté. Le choix est maintenant. Si vous choisissez Jésus, vous avez sauvé, mais si vous choisissez Satan, vous avez perdu. Jésus connaît les Juifs. Il était Juif. Et maintenant, c'est même bagarre là pour nous, mes frères et sœurs. Si vous regardez frère, il est pour faire un choix, à partir de ça, me fait échouer. Mon bouga, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième leçon que me tire. La valeur de l'homme ne dépend pas de l'importance de sa fortune. Valeur au monde n'y pas de pain. De quantité d'argent qu'on gagne, quantité connaissance qu'on gagne, quantité bien qu'on gagne, ça n'est pas ça. Valeur. Valeur au monde, c'est leur connecté avec Christ. Alléluia. Hein? C'est leur grand Jésus hein? Comme sauveur personne. Leur grand Jésus, bode, sérieusement. Ou pas paix moun, ou pas état moun. Mais si bon Dieu, j'y joue correct. Parce que bon texte, moi, mais en pile. Dans le proverbe, il dit, quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve la façon à vivre là, même il met à disposition, ou dit, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu peux rester là, ou fais sauver la veine. Parce que vous connectez avec Christ. Mais ce n'est pas bien femme qu'on gagne. Parce que tout ça que nous gagnons, et prêtez, bon Dieu, prêtez-nous. Lorsque nous abusons de ça, nous placez-nous au-dessous de l'homme le plus pauvre. Lorsque nous riches, lorsque nous avons connaissance, lorsque nous avons capacité, nous avons bien, nous abusons, nous utilisons pour peut-être pas nous, nous placez-nous au-dessous de l'homme le plus pauvre et le plus affligé qui aime Dieu et met sa confiance en lui. Moun ki pi pauvre sous la terre, moun ki pi négligé, mais qui a confiance li pa placé dans Christ. Là nous abuser bien nous, nous pas mettre à la disposition de notre Seigneur, nous placer pi bas que moun sa yo. Bon Dieu, il te voulait faire comprendre à la foule qu'il était possible de faire son salut après la mort. Il met dans la bouche d'Abraham la réponse suivante. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Jésus montrait ici que c'est en vain qu'on attendrait un nouveau temps de grâce après la mort. Cette vie est le seul temps accordé à l'homme en vue de se préparer pour l'éternité. Vie ça, c'est moment ça qu'on fait. L'homme riche là, histoire, dit-nous que M. Tap souffre cruellement. Lire le père Abraham, c'était un juif. Il connaît Principio. Il dit Abraham, voyez Lazare, non. M'a souffre cruellement. Abraham dit, gon monde de différence entre nous. Gon trouble qui sépare nous ensemble. Même si on monde d'avle saute la boule à l'côté là, et pour saute côté là, il pas capable. Parce que fossé à grand en pile. Zamim, la bon Dieu béni ou qui sont fait à bénédiction recevoir dans mes bon Dieu. Utilisez-le pour maltraiter moun, humilier moun. Hein, pour faire les gens comprendre qu'on pas, on va même mettre là avec eux. Eh bien, si c'est qu'on soit utilisé dans le bon Dieu, il y a une récompense. Valeur, il n'y a pas de pain de qui qualité, qui quantité fortune qu'on gagne. Il n'y a pas de pain de qui quantité connaissance qu'on gagne. Il n'y a pas de pain combien compte en banque qu'on gagne. Il n'y a pas de pain combien caille, combien machine qu'on gagne. Il dépend des relations que vous gagnez avec Jésus. Et maintenant, nous sommes en fin d'année, mes frères et sœurs.
Je disais ce matin que nous capables de plaindre pour tout ça que nous avons gagné. Mais est-ce qu'on prend un petit temps pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça que nous avons gagné aujourd'hui? Est-ce que nous faisons ça? La Bible dit, la sensibilité à deux filles, donne, trois choses sont insatiables et quatre ne dit jamais assez. Le feu qui n'est jamais rassagé d'eau, cimetière pas jamais bouqué pour un mort, l'enmer, etc. Et la terre pas jamais bouqué pour la pluie. Mais nous, pas ça, yo, du tout. Nous, c'est des êtres créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Bon Dieu, créez-nous pour une raison. Notre demeure, mes frères et sœurs, sont demeure éternelle lorsque nous avons pratiqué les principes et les commandements, les recommandations de Jésus. Il connaît Abraham, mais dans sa splendeur, dans la jouissance, il n'y a pas de temps pour te mettre en application les recommandations de Dieu. Parce que l'homme riche, on a souvent dit, lorsque quand on est riche, on ne peut pas inviter les gens à la caillou. C'est les gens qui font l'invitation pour eux. Monsieur X, can I come to see you next week? C'est pas où bail rendez-vous. C'est eux qui prennent rendez-vous pour croire. Cet homme était riche, il n'y a pas de temps. Imaginez-vous, à cette époque, question l'hôpital là pas de gagner. Mais pourquoi cet homme riche pas capable de soulager misère pauvre Lazare? Pourquoi? Il était très riche. Il était quitté Lazare à driver simplement pour Lazare te manger des graines qui sont tombées en bas tabli. Et c'était humiliant, mes frères et sœurs. Si vous avez une capacité pour aider au monde, c'est pour aider elle. Parce que bon Dieu est content ça. Si nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de moyens suffisants pour aider l'autre monde. Mais pour nous, la grandeur de Dieu, c'est pour garder propre tête par et le monde qui souffre en bas. Imaginez-vous quelqu'un qui passe près d'une semaine sans rien prendre. Imaginez-vous. Ou apmane na ki monde moun sa ap vive. Si on da kon passe en bas point pendant Freddy sa, nous on série de moun qui couché en bas point yo, yo gon paquet de blanquette sou yo en bas point pendant le fait Freddy. Question de poser, mais comment le faire rester? Mais qui côté pour aller? Il va aller l'autre côté encore. Lor gade moun sa par rapport à ou même. Qui sont dit? Hein? Est-ce que bon Dieu pas fait un pile bagaille pour nous-mêmes pour nous participer à l'œuvre du salut des âmes pour nous aider moun quel que soit forme nan problème nan parce que pas tant pour dire si me gagne 10 000 dollars m'daide non nous pral wè ça dans texte ça moun qui pas ka aider nan 1 dollar même l'or gagne 1 million de dollars pas ka aider 1 dollar ou ka ban moun 20 cents ou ka ban 30 cents ou ka ban 40 cents. Jésus ben nous bénit nous pour nous pas gaspiller l'argent bon Dieu ben nous dans propre tête nous dans tête pour pas faire pas nous alors que gagne des personnes qui attendent que d'ici bon Dieu ça yo longe mes ba yo pour yo dire merci à Dieu. Troisième leçon, chaque monde yo recevoir assez de lumière pour yo faire ça que bon Dieu attend de yo. Matthieu 28, 19, 20, 10, cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Chaque monde, avant le retour de Jésus, n'a besoin assez de lumière pour nous faire exactement ça, bon Dieu, mandez-nous. Imaginez-vous, le Christ disait à Abraham, Père Abraham, ce n'est pas pour moi-même, non? Lazare fait ça. Mais c'est pour l'autre frère qui est derrière. Je ne vais pas aimer que vous fassiez le même choix que vous avez fait. Zamim, le bon Dieu vous a servi. Vous prêchez l'évangile, vous faites rebelle. Il semblerait que c'est bon Dieu même qui vous a descendu une balle. Si vous n'avez pas accepté la parole de Dieu, dans mes prophètes avec Moïse, même si bon Dieu te descend sous la terre, vous n'avez pas accepté la parole de Dieu. Qu'on fausse qui se tient. Chaque monde qui écoutait Moïse et les prophètes,
n'ont pas besoin d'une autre lumière. Celle que Dieu leur a donnée suffit. Si quelqu'un la refuse et n'apprécie pas les occasions offertes par le ciel, il ne prêterait pas plus d'attention au message de réalité. Demandez à Abraham pour voir Lazare à le raconter à l'autre frère. Abraham dit non. Temps passé. Ce n'est plus le moment. Si nous pas tant de Moïse, nous pas tant de prophètes, si nous pas tant de pasteurs, nous pas tant de anciens, nous pas tant de diacres, même si mon Dieu t'a ressuscité Moïse, même si il t'a ressuscité Abraham, il voit là, je dis, nous pas tant. Parce que son mindset, son état d'esprit. Même lorsque nous avons une nouvelle, que Jésus-Christ est vivant. Tant que ça fait nous comprendre, nouvelle preuve ça n'aurait pas plus efficace que les précédents. Car ceux qui rejettent la loi et les prophètes ont le cœur tellement endurci qu'ils repousseraient toute autre lumière. Ellen G. White, dans la parabole de Jésus, dans un grand abîme, si ça le dit, si nous pas attendons Moïse, apôtre, prophète, quel que soit l'autre monde qui vient avec lumière, nous pas attendons tout, parce que qu'ils nous endurci. Le choix, c'est maintenant, mes frères et sœurs. Ce n'est pas demain. Il y a l'autre leçon que nous trouvons, quatrième leçon, c'est que Jésus n'accorde aucune importance aux questions de race. Jésus n'accorde, imaginez-vous, l'homme riche était un juif. Lazare n'était pas un juif. Et l'histoire, l'esprit des prophéties dit nous, et Lazare était né d'une famille que on t'a considéré comme pas un rien. Christ désirait faire pénétrer sa lumière dans l'esprit enténébré des juifs. Si vous étiez enfant d'Abraham, leur dit-il, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous êtes ou t'as fait exactement ça, jugement d'eau. Faut que nous pas prendre orgueil, faut que nous pas prendre revanche sur le monde, faut que nous pas faire monde souffrir. Faut nous avoir compassion pour le monde. L'homme monde fait nous un bagaille qui pas entrer dans sentiment nous, faut nous pas tirer revanche. Si nous t'es petit Jésus-Christ, nous t'as fait exactement ça Jésus-Christ fait lorsque Jésus était sur la terre. Jésus était parmi les pharisiens. Et puis les pharisiens ont dit, monsieur, où dit ces petites et bon Dieu? Jésus dit, oui. Bon Dieu pas les petites. N'a pas quoi dans Jésus. Jésus dit, moi dans papa et papa dans moi. Et de là, à partir de cette vérité, les pharisiens ont cherché pour lapider Jésus. Jésus font tout bouillant, il est quitté. Si vous étiez enfant d'Abraham, leur dit-il, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Zamim, pas grand monde qui connaît sa capacité de Messie Dieu veut. Pas de monde qui connaît ce qui a passé dans la semaine qui a venu. Mais il y a temps pour nous protéger, pour nous assurer tête nous, c'est aujourd'hui. Pour nous décider, pour nous vivre, tant que petit bon Dieu, tant que monde qui a donné le monde là, mais nous faire sacrifice à Jésus. Y compris moi-même, nous bourrer avec orgueil. Nous pas grand l'esprit pour nous pardonner. Depuis nous te gonti, doit comme ça avec un monde, li tourner ennemi nous. Nous pas parler avec lui. Un monde ça pour nous le mettre pas exister. Mais où tel comportement, qui côté nous espérer aller avec ou tel encore. Nous gagne rancune mes frères et sœurs. Nous gagne rancune. Nous pas jamais oublier ça qui t'est passé entre nous.
Maintenant, bon Dieu voulait pour nous chita, pour nous réfléchir. L'Éternel dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Zamim, si le monde fait un bagage, il vient de côté pour servir. C'est pour dire béni soit l'Éternel. Nous avons tendance pour nous refuser les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Hein? Les gens qui ne pas entendre avec nous, les gens viennent défendre nous, viennent demander nos services, nous n'avons pas de temps pour eux. Bon Dieu, comptez tout ça, mes frères. Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il disait à son père, « Père, Père, pardonne-les. » Parce que vous parlez. C'est vous, oui. Les gens qui t'a cloué Jésus. Oui. Je dis à qui les gens qui a cloué nous pour nous demander bon Dieu pour sauver les gens. Je dis ouvert terre pour l'angloutir. Pourquoi j'aime tant de côté Adventiste, il dit, « Sept jeunes pour lui. » Je vais lire sept sommes. Je vais sortir sept chants pour lui. C'est pour bon Dieu, bon justice moi avec lui. Eh, vrai. Et ta piaille. L'Éternel n'est pas l'homme. Jésus était à Samarie. Entrant en Samarie, il se faisait tard. Jésus disait à ses disciples, allons-nous demander à l'autre un lieu pour nous reposer. Mais, mettre hôtel là, reconnaître Jésus comme étant juif, parce qu'il était samaritain. Il dit, je n'ai pas de place pour vous là. Et ok. Pierre dit, hey, maintenant, Pierre, oui, il dit, bon, nous permission, nous faire différence dans la boule, nous ça là. Jésus dit, oh, Pierre, Jean, monsieur, let's get out of here. Jésus, courir avec monsieur, où est-il, quoi, la vie. Le fait que vous refusez, monsieur, vous dit, vous n'avez pas de place, j'ai permission, vous demandez Jésus, oui. Si vous n'avez pas de permission, vous avez un boule, là, oui. Zamim, nos comportements comme ça, qui compte espérer à le passer éternité nous dans le paradis? Hey, c'est ça que fait la Bible dit pour aller en pile surprise. Bon Dieu pas accordé aucune importance aux questions de race. Côté américain ou canadien ou français, ou tes jeux privilèges sur cette terre sont bêtes. Mais bon, qui peut habiter avec Christ, c'est monde qui plie volonté aux paroles qui sont dans la bouche Christ. C'est le monde ça, aux amis. Jésus-Christ enseignait que la parenté spirituelle l'imprimait sous toute parenté naturelle. Aïe, aïe, aïe. La parenté spirituelle l'imprimait sous toute parenté naturelle. Jésus pas de relation avec monde qui sortit en devant Marie ou bien qui sortit dans généalogie Joseph. C'est pas ça yo Jésus considéré comme frère, comme seul. Mais qui monde Jésus considéré? C'est monde qui fait la volonté de son Père. Est-ce que maintenant nous décidons nous pour nous faire la volonté? Est-ce que nous décidons pour nous mettre toute divergence nous de côté? Zamim, c'est pas étonnant, nous sommes à l'église Adventiste, c'est l'église du reste. Mais en dans l'église Adventiste, ancien Goumak, ancien pasteur Goumak, pasteur Jack Goumak, Jack, mam Goumak, mam. Parce que c'est l'église qui est importante en pile. L'église du reste. Mais si nous ne mettons pas orgueil nous de côté, moi-même, j'ai des bagages à comprendre, je ne vais comprendre. Jésus est serviteur. Frère Belo est le premier ancien de l'église. Il y a des gens qui pensent de par notre relation, tout ça me dit Frère Belo, d'accord. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas jamais vrai, il n'est pas vrai tout. Mais je reconnais qu'il est le premier ancien. Et Jésus est un ancien. So be it, si je il applique, il est bon pour l'église là. Mais si je dis tout le pas bon, il veut mettre le de côté, il veut mettre le de côté. Ça ne peut pas empêcher, ça ne peut pas emboîter sous relation de service que je gagne à travers pour l'église adventiste de Béthanie. Jésus est serviteur. Bon Dieu a plein pour me servir. Et c'est doit être préoccupation par nous tous, mes frères et sœurs. Nous pas venir là pour nous gagner un bagage quelconque spécial, ça que tout le monde a plité, c'est la vie éternelle. Et qui monde qui a la vie éternelle? Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'était nous-mêmes qui t'avons baillé, nous t'avons dit, frère, il est trop fréquent. Babalil. Hélas. Alléluia, mes frères. L'homme riche se disait, enfant d'Abraham, et, il dit, mais
En ne faisant pas les œuvres d'Abraham, il démontrait qu'il n'était pas ses véritables enfants. Ceux qui témoignent de leur lien spirituel avec lui en obéissant à la volonté divine se placent dans la lignée de ses vrais descendants. C'est monde qui obéit à la parole de Dieu, Jésus traîne derrière lui comme race. Ce n'est pas monde qui a fait Shelby. Ce n'est pas monde qui vient de l'église pour faire intéressant. Je dis à me chanter, je bien chanter, je bats applaudissement moins. Depuis premier ancien, je dis premier ancien, on bagaille, il pas d'accord avec moi. Je vais chanter encore. C'est comme quoi c'est pour premier ancien, on devine chanter là. C'est vrai, qu'on veut chanter là, non, et pour nous venir chanter. Ça même, c'est pour nous reconnaître que bon Dieu attend plus que ça de nous-mêmes. Si bagaille terre à terre, ça y est, mettez-vous de côté. Comment nous pouvons paraître devant mon Dieu? L'homme riche, il connaît Abraham, mais il n'a pas jamais pratiqué rien dans sa Abraham, il a pratiqué. Mais là, il tombe dans le problème, il tombe dans Abraham. Sauvez-moi, non. Il est trop tard. Bon Dieu, remets-nous. Mais bon Dieu, veut que pour nous soumettre à la volonté. Si nous refusons de soumettre à la volonté de Dieu, afin de nous pouvons passer mal. Bien que Lazare, monsieur, fasse partie d'une classe de gens que les hommes considéraient comme inférieurs, le Christ le reconnaît pour un de ceux que le patriarche invitera dans sa plus grande intimité. Bien que je te considéré Lazare comme un monde inférieur, un monde qui n'est pas parmi la société, mais Jésus considérait que Et Lazare, c'est un monde qui est patriarche pour l'inviter dans une plus grande intimité. Pour qui ça? Il était pauvre. Mais il faisait ce qui plaisait à Christ. C'est que ça, bon Dieu, attend de nous-mêmes, mes frères et sœurs. C'est pour nous mettre volonté nous de côté. Même si je ne suis pas d'accord avec Lugens, Lougen, c'est frère. Si moi, j'ai besoin, je n'ai pas besoin de le demander. C'est pour me porter la main à lui. Et vice versa, tout. Même si il a une bouche longue ensemble avec moi, je tombe dans une difficulté, c'est pour me porter la main. Parce que nous trois intransigeants, nous trois difficiles, mes frères et sœurs. Nous, dans l'église, nous chantons toujours et bénissons l'Éternel, mais qu'elle nous raide par son bout de bois. L'autre bagaille de nous-mêmes, mes frères et sœurs. Dernière partie de la parabole, il dépeint les scènes finales de l'histoire du monde. L'homme riche se disait enfant d'Abraham, mais il était séparé de lui par un abîme infranchissable. Alléluia. Il se disait enfant d'Abraham, mais il était séparé de lui parce que il n'a pas pratiqué les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire, par un caractère mal dirigé. Abraham servait Dieu, se soumettant à sa parole avec foi et obéissance, mais le riche ne se souciait ni de Dieu, ni de ceux qui souffraient. Il n'y a pas de songer, ni bon Dieu, ni moun qui a souffri. Lazare qui a souffri devant Port-la-Cali, matin, midi, soir. Et je dis à combien de moun Haïti qui a pris nous, qui te connaît rendre nous service. Soit que tu travailles la caille, laver la caille, passer la caille. Il y a un petit moun qui a pas voué l'école. Je dis, ça fait. Ça fait mouton, c'est pas ça fait pam. Bon Dieu, son regard, il va compter sur ça. Combien de monde dit qu'on a pris nos services en Haïti? Et je dis, bon, malheureusement pour vous en Haïti. N'oubliez-vous. Bon Dieu, pas compter sur nous pour nous changer la vie. The choice is yours. We have a choice to make this morning. C'est soit nous partisans de Christ ou bien nous partisans de l'ennemi. Mais en même temps, si nous partisans de l'ennemi, nous ne sommes pas capables de croire que nous avons gagné la vie éternelle au retour de Jésus.
C'est pas tout le monde qui fait après le boulet. Des mondes, c'est ver qui va le dévorer cadavre. C'est ver qui va le manger. Mais pour le monde qui va subir la mort éternelle du feu, ou gon chou ou fait et soit. L'abîme et le patriarche était celui de la désobéissance. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui suivent la même voie. Tout en fait, ils sont inconvertis. Ils peuvent prendre part aux offices, ils sont capables de chanter à l'église, ils sont capables de lire des psaumes. Ils sont capables, c'est comme une biche soupir après des courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi, ô Dieu, mais le témoignage est mensonger. Parce que ce n'est pas chanter, l'un vient de l'église, ce n'est pas chanter pour nous chanter seulement. Ce n'est pas prêcher pour nous prêcher seulement. Hein? Ce n'est pas prier pour nous prier seulement. Il faut nous avoir un cœur nouveau qui facilite que bon Dieu agisse à travers nous-mêmes. Mon cap souffre, si bon Dieu pas. Comptez sur nous comme disciples pour aider les gens. Qui moun encore nous espérer qu'à aider? Si nous ne pouvons pas vivre comme les gens, nous avons gardé la question d'Haïti. Non, plus les gens ont crié, ont souffri. Pour qui ça, nos dirigeants sont tellement différents. Tandis que c'est même bagaille à nous. Les gens, ça y est, ils ont un gros intérêt à l'argent qui permet que vous ne soyez pas d'accord. Alors, ce que nous-mêmes nous soyons disant que nous avons un objectif pour nous suivre, mettre là, nous tout parlons de même récompense, nous pas d'accord. Why? Qui l'a n'a comprendre la réalité? Qui l'a n'a comprendre sa que pour nous tourner, mes frères et sœurs? Nous dans le monde là, mais nous faisons partie de monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'ai mon nom marché, j'ai chanté, j'ai habillé, j'ai dansé. C'est pas nous pas qu'à faire ça. Et là j'ai dit, là nous font cérémonie, seul sac pour bon Dieu là-dedans, c'est commencement nous faire prier. Et pour démon. Tout reste sans faire. Chrétien, y'a pas besoin de fêter ton birthday. Y'a pas besoin de fêter yon anniversaire de naissance. Yo pa jamais fait ton anniversaire de mariage. Pour que yo a invité premier ancien avec pasteur. Pasteur a venir faire prière après ça, l'entendre ça. C'est classe. C'est là. C'est toute la soirée honnête. Comme si Jésus prend plaisir dans ces musiques ça yo. Nous ne pouvons pas mettre un petit moment à part pour le Seigneur, non? Zamim, peu importe, gens qui sont capables de concevoir la vie, ce qui est important, c'est pour gagner une connexion avec Jésus. C'est ça qui est important. Et la Bible dit, quel que soit ce qu'on fait, on va jouer avec le monde, on va manger avec le monde, ou à parler avec le monde. Ou à faire quel que soit ça, ou à faire, c'est pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Pour Dieu attendre de nous plus que ça. Il faut nous mettre nos différences de côté. Question d'égoïsme, question d'orgueil. Il faut nous mettre de côté. Nous sommes des humains, nous pouvons aller dans la même destination. Nous pouvons aller jouer pour 1000 ans dans le ciel, là, pour nous tourner, pour nous vivre sur cette terre éternellement. En attendant que le retour de Christ. Il faut que nous ayons un comportement, ça. Nous ne sommes pas capables d'avoir un comportement hypocrite pendant que nous dans l'église. Bon Dieu veut changer, nous. Il y a 4 bagailles pour nous comprendre. Choix que nous faisons aujourd'hui, c'est lui qui a déterminé qui va nous passer l'éternité. Deuxième choix. Bon Dieu pas bail importance à qui quantité fortune qu'on gagne. Ça n'a pas compté pour bon Dieu. Parce que quel que soit ça, on a gagné l'argent bien matériel, tout a prêté sous la terre.
Et semaine dernière, j'ai tenté de gagner un nègre dominicain qui mourit, il a enterré monsieur avec 20 000 personnes. Là, il a levé demain matin, il a crasé ton bois, il a fait ce qu'elle a dit, il a pris 20 000 personnes. Il a lavé. Il a pris. Mais c'est son impertinence. Mon ap mouri grand goût bagay moyen pour prendre 20 000 pour mettre en dedans sekay. Bon Dieu voulait pour nous répondre à ça, il mandait nous pour nous faire, mes frères et sœurs. Peu importe ton situation, c'est pour demander bon Dieu force et courage pour mettre en application parole qui saute dans bouche et volonté de notre Seigneur Jésus. Bon Dieu comptez sur nous. Nous sommes en fin d'année, m'a encouragé nous. C'est pour nous porter une offrande de remerciement à l'Éternel. C'est pour nous chercher un monde pour nous aider. Il y a trois personnes qui ont souffert. Pendant ce temps, nous-mêmes n'avons pas osé. Nous ne savons pas combien de fois pour nous manger. Parfois, alors, tu as un grand goût en Haïti. Ou pas qu'on joue de manger. Mais quand on joue de manger, ou pas qu'à manger. Parce que trois chicken, trois diri, il y a un sucre, il y a une attention. Ou obligé de mettre quoi en diète, qu'on y a. Son diète pour faire. C'est smoothie pour boire. C'est salade pour manger. Chicken ba bon pou parce que les haïtiens qu'on a yo même y a mouri yo besoin chicken yo besoin di yo pa ka joine. Voyez quelque ça di rialé. Et voyez on là j'ai acheté quelque chicken parce que yo même yo marcher à pied, yo pa gen machine pour yo marcher à droite à gauche. Tout ça yo faisait marcher, yo marcher yo boule calories, chicken n'a pas fait rien, di ya pa fait rien. Alors que bon ça nous même nous pa ka manger. Au moment tension nous monte, sucre nous monte, cholestérol nous monte. Di ri pa bon pour nous. Éternel est bon. Mes frères et sœurs, oh, on l'aime d'après que moi-même à faire brûler nous t'aimer mes spaghetti en pile. Là nous le faisons matin nous jouons nos spaghetti. Alors t'es Haïti, c'est pour moi qui mange spaghetti grand et gouillé. Et bah tout le monde qui mange spaghetti pour manger. Mais je dis, même si on offre mon spaghetti, je vais faire ça. Il pas bon moins. Hein? Alors que quelqu'un qui a dit que je vais spaghetti, il n'y a pas de nous, la vie. L'Éternel a fait tout pour un but. L'Éternel a fait tout pour un but. Et si nous trouvons grâce devant Dieu, bon Dieu, je dis, c'est pour nous comprendre comment bon Dieu dit pour nous dire, pour nous avoir compassion l'une pour l'autre, pour nous remettre l'une l'autre. Matin, on son plaidoirie, une fait avec nous, mes frères et sœurs. Moi-même, personnellement, frère Jean-Aubert, j'ai $600 pour dégager dans la bagarre, dans Doka, ou à Baïmounouvel. On nous fait quelque chose, mes frères et sœurs. Parce que le monde a péri, nous besoin un trésor dans la banque du ciel. Les agents que nous économisons dans la banque terrestre, après, étaient là. En nous travaillons afin que nous capables de trésor caché dans le ciel. Le bon Dieu vient, il a dit, fidèle serviteur, nous sommes fidèles en paix des choses. Viens prendre possession de ce royaume. Nous sommes lutter, nous sommes combattre le bon combat. Bon Dieu, comptez sur nous. May God bless you all. Church. Amen. First, I want to thank God for speaking through for Ella to provide us with this wonderful sermon today. And to close off today's service, we're going to sing the closing song, Le ou kote mon ke pou Jésus. Amen. Le ou kote moun ki pou Jezi, kote pladan, nan moun ki konfye nan pale, kote pladan, kote pladan.
Father God, thank you for blessing us this morning and allowing us to be here and listen to your service today. As this is coming to an end and we'll be going home, please bless us and please protect us every step of the way, dear Lord. In Jesus' name I pray, amen. 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 Come ye that love the Lord. Children of